attendre un petit peu que les gens ils arrivent. Bienvenue à ceux qui arrivent. On va attendre un petit peu. Là, il nous reste encore une bonne minute là. Ça a commencé? Oui, ça commence. Non, ça commence vraiment. Arrête. Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre encore un petit peu. Alors, bon, en attendant, je vais me présenter à ceux qui sont là. Vous m'entendez bien déjà? Vous pouvez me faire signe comme quoi vous m'entendez, s'il vous plaît. Petit message pour me dire que c'est bon, vous m'entendez bien. Ah, parfait. Merci, Maria. Alors, ce qu'on va faire. Donc, déjà, ouais, je vais commencer par me présenter. Ça fera arriver les personnes. Donc, moi, c'est Jérémy. Je suis ingénieur en informatique industriel. Donc, mon boulot, c'est pas forcément de réparer les PC des particuliers, mais ça m'arrive très régulièrement de le faire pour les amis. Pour beaucoup de monde en tout cas. Là, je fais la vidéo dans le cadre des Moments Solidaires. Donc l'association, c'est une association dont je fais partie. Je fais partie du bureau d'ailleurs. Donc les Moments Solidaires, c'est une association, pour ceux qui ne connaissent pas, qui promeut donc la solidarité, comme son nom l'indique, au travers de l'écologie et donc plus particulièrement sur la réduction des déchets. C'est-à-dire que on va faire des ateliers faits maison, avec des ingrédients particulièrement issus du vrac, et des repair cafés. Des repair cafés, on va aider les gens à réparer eux-mêmes leur appareil qui est cassé. Donc ça peut être de l'électroménager, ça peut être voilà, il y a plein de choses, et donc un ordinateur. Et donc voilà, je suis là pour vous aider à réparer vous-même votre ordinateur. Potentiellement, et donc ça fait vraiment partie du zéro déchet, dans le sens où ça vous évitera de le jeter par la fenêtre le jour où il ramera un peu trop pour charger votre site préféré. Donc là ici, normalement vous voyez tous mon écran, qui est ici avec la petite souris qui bouge. Ce que je vais faire pour commencer, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire quand on installe un logiciel sur son PC. Comme ça, ça me permettra aussi, moi, d'avoir quelque chose à nettoyer, du coup, parce que là, pour l'instant, le PC, il est plutôt propre. Donc là, c'est un petit logiciel, sa fonction vous importe peu, j'ai envie de dire. C'est un petit logiciel qui permet de charger des images de CD, mais ça, à la limite, on s'en fout. Imaginons que vous devez installer un logiciel, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien à dire, il faut cliquer sur installer, donc tout va bien. Ça va arriver, vous inquiétez pas. On y croit. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un PC Windows 10. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez un Windows 10. Si jamais vous avez du Windows 7, c'est pas grave. Enfin, c'est
que je vais vous montrer, ça marche aussi sur Windows 7. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Donc là, imaginons, voilà, donc là c'est un logiciel qui effectivement il fait à la fois soit payant, soit gratuit. Bon, souvent le gratuit, ça apporte un peu de pub. Donc justement, c'est ça qui fait ramer les PC. Donc là, pour l'instant, encore une fois, RAS. Quoique, je crois que j'ai raté, justement, il y avait une case à cocher. Alors, attendez, on va voir ça. Donc, il s'installe. Justement, j'ai pas regardé. Normalement, justement, il doit y avoir du personnalisé. Il faut, quand on installe quelque chose, il faut toujours chercher à personnaliser. Et il faut toujours regarder les cases qui sont cochées. Là, par exemple, si je clique sur « Continue » bêtement, il va m'installer McAfee Web Advisor. J'en ai pas besoin. Clairement, j'en ai pas besoin. Mon but, c'était d'installer Daemon Tools. C'était pas d'installer McAfee. Donc, il faut décocher la case. Là, sur celui-là, je vais décocher la case. Là, ici, il va me proposer aussi d'installer ADOR Web Compagnon. C'est pour protéger, etc. Pareil, j'en ai pas besoin. Là, je vais faire ce qu'il faut pas faire. Je vais le laisser. Je vais le faire s'installer. Ok, là ici, donc mon logiciel, il est installé, il a fini, il a fait son boulot. Il m'ouvre une page internet pour me dire que il s'est installé, ok, tout va très bien. Voilà, là quelque part, j'ai installé mon logiciel, tout va très bien, pour moi, a priori, tout va bien. Sauf que j'ai laissé la petite case à cocher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va faire tous la même chose, vous qui manipulez sur votre ordinateur. Vous ouvrez soit Firefox, soit Chrome, selon ce que vous avez. Si c'est Internet Explorer, je trouve que c'est moins bien, mais faites ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser Internet Explorer, vous pouvez. Et donc tous sur votre navigateur, sur Google, sur Quant, sur ce que vous voulez, vous allez rechercher le logiciel ADW. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme par hasard, bon, ça déconne, c'est pas grave, on va utiliser celui-là, ADW Cleaner. Oui. Faites tous ça. Donc ADW, C-L-E-A-N-E-R, ADW Cleaner. C'est un petit logiciel qui est très léger, il s'installe pas, vous le téléchargez et vous le lancez, point. Il ne s'installe pas sur votre PC. Et franchement, ça marche très très bien. Donc, vous sur votre Google ou sur peu importe, il y a plusieurs liens forcément pour ADW Cleaner. Vous prenez le lien où il y a écrit qui vient du site malwarebyte.com, là, ici, tac tac, ADW Cleaner. Voilà, élimine les ADOR. Donc, les ADOR, ce n'est pas des virus. C'est des logiciels qui mettent des pubs, qui ralentissent votre PC, qui vont rapatrier des informations qui sont sur votre PC et vont l'envoyer vers des sites. Voilà, c'est pas des virus, donc l'antivirus il va pas vous protéger contre ça, mais c'est vraiment des choses qui enquiquinent le monde et qui font ramer votre PC. Et vous allez voir, c'est franchement c'est presque magique. Donc vous allez télécharger ADW Cleaner. On le télécharge. Donc vous le voyez, 7,8 mégas, ça va super vite normalement, même si vous n'avez pas la fibre chez vous. Ok, on le lance. Donc soit vous le lancez directement depuis votre navigateur, soit là où vous l'avez téléchargé, vous allez le chercher, vous le lancez. Il va vous demander si vous voulez bien utiliser les droits d'administration, etc. Vous mettez oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là pour l'instant ? N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, si vous êtes bloqué à un moment donné dans les manips, n'hésitez pas à tout de suite me mettre un message là, ici, et je le regarderai et je vous répondrai. Ok ? Voilà. Alors, idéalement, quand on lance ADW Cleaner, de toute façon, au moment où on va lancer l'analyse, il va fermer Firefox, il risque de fermer Chrome aussi. Autant anticiper la chose et fermer le truc. Donc bien sûr, si vous regardez la vidéo via votre PC,
bah, ça va être un peu compliqué de faire l'analyse de la kiné en même temps. Donc à ce moment-là, faites-le plus tard, tout simplement. Retenez que voilà, DWKinner, il faut le télécharger et ensuite il faut le lancer. Donc je vais vous montrer la manip, c'est super simple. Donc il suffit de cliquer sur analyser maintenant. Jusque-là, ça va, je pense que ça ne demande pas d'expertise. Voilà. Et là, ici, ce qu'il va faire, il va juste parcourir vite fait votre PC et regarder où est-ce que les petits logiciels qui mettent des pubs, là, eh ben, où est-ce qu'ils se trouvent la plupart du temps. Et puis, il va regarder, il va les trouver. Et donc, là, ici, ce qu'on voit, ben, bizarrement, tac, 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 là, 14, 20, 23. Il en a trouvé 23. Vous avez vu, j'ai juste installé, parce qu'au départ, j'avais 0. J'ai juste installé le logiciel, sauf que j'ai pas coché les cases. J'ai fait le test tout à l'heure. Si je décoche bien les cases, la case de advisor, là, machin, si je décochais la case, il y aurait eu zéro truc. Donc juste avec un logiciel, on coche. Est-ce qu'on peut le faire pour notre téléphone? Non, ça ne fonctionne que pour les ordinateurs et les blue cleaners. Enfin, en tout cas, à mon avis. Vous pouvez vérifier, mais à mon avis, pour moi, des webcleaners, ça marche que uniquement pour les Windows. Donc voilà, 23 trucs. Je fais suivant. Là, ici, ça c'est une nouveauté. Maintenant, il regarde aussi les logiciels préinstallés sur vos PC. Parce que quand vous achetez un PC tout neuf, bah, ça peut arriver que bah, y a plein de logiciels qui sont déjà installés, qui en fait ne servent pas à grand-chose et qui. Le PC est neuf et il y a déjà des logiciels qui le ralentissent pour rien. Donc lui, il les détecte et il dit, ben voilà, ça en fait, franchement, tu peux t'en passer. Est-ce que tu veux les désinstaller? Donc moi, je fais le choix de les laisser, ces logiciels. Personnellement, ça me dérange pas. Maintenant, vous pouvez très bien les désinstaller. Normalement, en tout cas, ça pose pas de problème sur le fonctionnement de votre PC. Donc si jamais, juste avant, il n'a rien trouvé, ce qui est possible, si votre PC est super clean, il n'a rien trouvé. À ce moment-là, vous allez directement arriver là-dessus. Et du coup, si vous cochez rien et vous appuyez sur quarantaine, quarantaine, oui, bah, il va rien se passer parce qu'il n'a rien protégé à éliminer d'avant. Et donc, c'est tout, vous faites fermer et ça sera tout. Moi, comme j'ai des choses à éliminer, je fais quarantaine. Et là, il me dit, attention, ça va tout fermer. Ça va fermer tout ce qui est ouvert. Et ça va demander après de redémarrer l'ordinateur. Donc, je vais le faire là. Alors, normalement, oui, normalement, vous me voyez. Alors, attendez deux secondes. Alors. Normalement, on s'est retrouvé. Alors, ce que je disais, effectivement, j'ai déjà eu des PC qui étaient vraiment affectés à plus de 1000, 1000, 2000, voire j'ai déjà eu 2000 petits logiciels. Donc, forcément, c'est pas 1000 logiciels, mais c'est 1000 endroits où un ou plusieurs logiciels se sont installés et qui vont piquiner le monde. Donc, ça peut être au niveau de votre navigation. Donc, dès que vous allez ouvrir Firefox ou Chrome, vous allez aller sur Facebook, ça va ramer à fond, ça c'est possible. Ou quand vous allez aller sur juste en démarrant le PC, il y a des logiciels qui vont se lancer en même temps sur le démarrage du PC, ce qui fait que votre PC il va mettre 10 minutes bientôt à démarrer, ça c'est déjà arrivé aussi. Donc voilà. Donc là ici le PC il redémarre. Je vais revenir sur notre écran. Et taper son travail. J'arrive.
exactement où s'est retrouvé. Tellement que je n'ai toujours pas redémarré. Ok. Alors, on va attendre un petit peu, c'est pas très grave. Donc là aussi, vous voyez, le mien, voilà, il a redémarré. Et donc, une fois qu'il a redémarré, et ben, il nous met un petit récapitulatif. Donc, il avait trouvé 32 éléments. Donc, dans les 32, il en a misé 23. Donc, ce qui reste, en fait, c'est les 9 préinstallés. Donc, c'est les éléments qu'il trouve gênants et que moi, j'ai préféré laisser quand même. Voilà. Ça, c'est juste une question de choix. Donc là, maintenant, j'ai toujours mon logiciel. Mon logiciel Demon Tools est toujours installé. Il n'y a aucun problème. Simplement, j'ai pu... j'ai éliminé les petits trucs, les petits copains qu'il a ramenés alors que j'en ai pas besoin. Donc voilà, ça n'empêche pas le logiciel de fonctionner du tout. Au contraire. Bon, là ici, ce que je peux vous montrer aussi... Alors, de manière générale, ici... En bas de la barre des tâches, ce qui peut arriver, c'est que vous avez énormément d'icônes parce qu'il y a plein de trucs qui se lancent justement au démarrage. Un des premiers trucs à faire, ça peut être simplement, vous faites un clic droit sur un élément, vous regardez ce que c'est, enfin juste en mettant un souris déjà, vous voyez ce que c'est, et vous posez la question, est-ce que vous en avez besoin. Alors bien sûr, il y a les drivers, hein, il y a les trucs liés au touchpad, donc des ordinateurs portables, il y a les Intel chipset ou des choses comme ça, il y a l'icône du Bluetooth, ça vous pouvez laisser, il n'y a aucun problème. Après c'est plus les petits logiciels qui s'installent, qui sont installés, que vous utilisez parfois, mais est-ce qu'ils ont besoin de se lancer au démarrage du PC, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire. Hop là, ok. Donc du coup, vous pouvez vous poser la question, tiens, Demon Tools, là ici, effectivement, il est lancé, là. J'ai pas besoin qu'il se lance au démarrage. Et bien du coup, vous pouvez regarder dans le logiciel, donc là, sauter le tutoriel, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des réglages? Et ben, voilà, et souvent, il y a un truc réglage sur les logiciels. Et souvent, en général, dans la partie générale, et ben, vous allez voir, est-ce qu'ils se lancent automatiquement? Et là, ici, utiliser agent autodémarrage. Je décoche ça, j'enregistre. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, bah oui, je suis sûr. Et hop, tiens, miracle, il s'est enlevé du bas du menu. Donc ça veut dire qu'au démarrage de l'ordinateur, il ne se lancera pas. Et donc mon PC ne va pas démarrer, ne sera pas le plus lent au démarrage après l'installation du logiciel. Donc là ici, je ferme ADW Cleaner, j'en ai plus besoin. Donc il a fait son ménage. Voilà, donc là ici normalement déjà vous devez voir un mieux sur votre PC une fois qu'il a vous avez fait un nettoyage. Maintenant on va regarder pour désinstaller les logiciels qui ne sont ni des virus ni des logiciels à pub qui embêtent le monde, mais simplement des logiciels dont vous n'avez pas ou plus besoin. Là ici il vaut mieux les désinstaller. Donc moi le meilleur moyen que je fais c'est lancer ce PC, cet ordinateur avant c'était le poste de travail sur votre PC. Donc sinon vous ouvrez juste l'icône qui est là, mes documents, tout comme ça. Et ici vous allez retrouver mon ordinateur ou ce PC ici. Et une fois que vous êtes dessus, en haut dans le menu, normalement vous avez désinstallé, modifié un programme. Il y a d'autres manières d'accéder à ce menu-là, simplement en allant dans les paramètres. Ici, vous allez dans les paramètres, applications et fonctionnalités. Et puis là, ici, donc vous avez l'ensemble des... Donc ça, c'est les applications à la mode Windows 10. Mais soit tout en bas, soit à côté, vous avez ici programmes et fonctionnalités. Et là, ça ouvre le menu un peu historique. Des applications qui sont installées sur votre PC. Vous me dites si je vous ai perdu, n'hésitez pas à me le dire, franchement, je raccrocherai les wagons. Donc là ici, c'est l'ensemble des logiciels qui sont installés sur votre PC.
Donc, il y a, je ne dis pas qu'il faut désinstaller tous ceux que vous ne connaissez pas. Ça serait un peu exagéré. Là, par exemple, si je prends Intel Network Driver, c'est peut-être pas une bonne idée de désinstaller. Il y a peut-être d'autres logiciels qui sont, voilà, tout ce qui est Microsoft, etc., vaut mieux le laisser, j'ai envie de dire. Bon, là, ici, j'ai pas grand-chose à désinstaller. Ce qui peut donner une aide, c'est ici, installez-le. Vous cliquez sur le nom, le titre de la colonne, et vous allez voir l'ensemble des. Enfin, ça va être trié par date d'installation. Et donc là, comme ça, vous pourrez voir au moins, bah tiens, qu'est-ce qui s'est installé dernièrement, et est-ce que c'est moi qui l'ai installé, est-ce que ça s'est pas installé tout seul, ou est-ce que c'est pas le petit Jason, enfin bref, un gosse ou votre mari, votre femme. Qui s'y connaît pas trop, il a cliqué sur suivant et puis en fait il fallait pas. Donc bref, il y a un petit logiciel qui s'est installé et puis en fait, ben non, c'est pas bien, moi j'en avais pas envie. Eh ben on va le désinstaller. Donc là ici, on voit qu'il s'est installé, ben tiens, bizarre, Adobe Flash Player s'est installé. Bon après, pourquoi pas, hein, ça c'est pas forcément bloquant sur le moment. Demon Tools. Ben, Demon Tools, là finalement, j'en ai pas besoin, en fait je l'ai installé par erreur. Eh ben, on va le désinstaller. Donc, je sélectionne désinstaller. Donc, il va me demander est-ce que c'est sûr ou est-ce qu'il faut donc on va mettre oui et puis on va le désinstaller. Donc là ici, par exemple, là, souvent effectivement les logiciels ils vont demander est-ce que vous voulez mettre une appréciation ou est-ce que vous voulez me dire pourquoi machin. On s'en fout un peu de ça. Est-ce qu'il faut effacer toutes les données? Alors, bah oui. Au moins on efface tout. On efface les petits logiciels qui servent à rien. Enfin, les petites données, les fichiers qui servent à rien. Parce que le logiciel de toute façon on va le désinstaller, on sait qu'on le réinstallera plus. Donc on désinstalle, paf. Voilà. Donc là ici, selon les logiciels, le système de désinstallation il va changer. Mais bon, c'est pas gênant en soi. Donc là ici, on va pas redémarrer maintenant. Enfin, moi je vais pas redémarrer maintenant. Il n'y a pas d'utilité. Dans les trucs à désinstaller, potentiellement, j'ai envie de dire, antivirus. Il ne faut jamais avoir plusieurs antivirus sur son PC. Donc, si vous avez McAfee et Avast et alors il y a plein d'autres, hein, Antivir, il y a Kaspersky, enfin voilà. Moi, en fait, j'ai envie de dire désinstaller tous, parce que Windows maintenant, depuis Windows 7, même depuis Windows Vista, sait très bien se protéger tout seul. Il y a l'antivirus de Microsoft qui fonctionne plutôt bien, je trouve, qui prend pas trop de ressources. Donc, bah, allez-y, quoi, utilisez le logiciel lié à Windows. Hop là, de rien, Edith, c'est un plaisir. du coup, désinstallez vraiment tous les antivirus. Donc, je ne vais pas vous dire de le faire forcément maintenant. Parce que sinon, parce que ça, par contre, ça peut prendre du temps, vraiment beaucoup de temps. Mais au final, désinstallez tous. Et aussi au niveau de Windows 10, et ben à la fin, il va vous dire, hey, il n'y a pas d'antivirus. Ici, il y aura le petit menu, la petite icône avec les boucliers. Si on clique dessus, il nous dit qu'est-ce qui se passe. Et là, ici, il y a la protection contre les virus. Donc ça, c'est antivirus de Windows 10. Et puis elle dit, hey, il n'y en a pas, est-ce que je l'active? Bah, vous cliquez sur activer la protection antivirus. Et bah voilà, vous serez protégé par Windows et vous aurez votre antivirus gratuit, qui ne prend pas de ressources, qui fait moins ramer votre PC que Avast, par exemple. Et puis ça fonctionne très bien, quoi. C'est largement suffisant, je vous le dis. Moi, c'est comme ça que je fonctionne sur mes PC perso. Et ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas besoin de payer ou quoi que ce soit, ou de mettre Avast ou autre chose. Donc voilà, vous utilisez l'antivirus de base. Pour ceux qui utilisent Windows 7, vous pouvez, alors il ne va pas forcément s'activer tout seul. Il va vous dire, hey, il n'y a pas antivirus, choisissez un antivirus. Et bien, quand vous choisissez un. Alors, pour choisir un antivirus, vous mettez Microsoft Essential.
écrit comme ça. Microsoft Essential. Pour Windows 7, hein. C'est pas, c'est uniquement pour Windows 7 et Windows Vista, si vous avez encore Windows Vista. Uniquement pour ça, vous avez le lien, vous utilisez le lien de Microsoft, le site de Microsoft. Tac. Hop, il est là. Vous choisissez votre langue, vous le téléchargez. Et donc là, ici, il propose. Tiens, c'est marrant, il propose deux fichiers identiques. Pour moi, vous prenez le plus gros. Tac. Voilà, on l'enregistre. Et vous le lancez. Donc moi, je vais pas le faire parce que je suis en Windows 10 de toute façon. Et vous aurez l'antivirus de Microsoft sur Windows 7. Voilà. C'est juste la seule particularité, c'est que Windows 7 ne s'installe pas tout seul. Ok. Donc ça, c'est bon pour l'instant. J'ai perdu personne, j'espère. On a vu l'antivirus. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand vous lancez l'explorateur Windows avec cet ordinateur ou ce PC ou mon ordinateur, enfin bref, vous pouvez voir ici normalement l'espace qui reste sur votre disque. Donc potentiellement ça va peut-être pas s'afficher comme ça, peut-être que vous aurez un truc comme ça ou comme ça, comme ça. Donc imaginons là c'est comme ça et vous n'avez pas l'espace disque. Clique droit sur le disque dur, le disque local, C2. Alors, c'est le C2 qui est le plus important pour le Windows. Vous faites un clic droit dessus, propriété. Et là, vous avez l'espace libre. Donc, voilà, espace utilisé, espace libre. Moi, j'ai 260 Go de libre, c'est très 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 bien. Au minimum, pour que votre PC fonctionne correctement, j'ai envie de dire, au moins 1 giga. Si vous avez déjà, si c'est indiqué en MO, méga, c'est peu, c'est très peu. Donc ça veut dire qu'il faut faire de la place. Pour faire de la place, c'est soit vous désinstallez des logiciels, soit simplement ce qui est dans vos documents, mes documents, ça c'est PC. Si ce qui est sur le bureau, des fois vous avez des répertoires avec des musiques, des images, mes images, vous avez des images, etc. Si voilà, si vous avez plein de choses comme ça, ben il va falloir les déplacer pour les mettre ailleurs. Disque dur externe, une clé USB, les graver éventuellement, c'est un peu has-been, hein. Désolé. Voilà, il faut sauvegarder. Donc moi ce que je vous conseille. C'est prendre un disque dur externe. Si on prend un exemple, un disque dur externe un peu de ce type-là, par exemple, c'est un disque dur qui est à l'intérieur. Ça peut contenir, donc il y a des disques durs hein, de 250 Go ou de 1 Tera qui correspond à 1024 Go. Voilà, il faut sauvegarder. Il faut absolument sauvegarder ailleurs. Donc, déjà de base, il faut sauvegarder au cas où votre disque dur il crame, ça peut arriver hein, malheureusement, ça arrive. Donc au moins pour avoir un secours et puis justement pour désemboliser un peu votre PC si vraiment vous n'avez pas assez de place sur votre disque dur. Donc ça c'est des conseils un peu basiques, hein, j'en fais pour tout le monde. On a un autre système pour un autre petit logiciel pour faire du ménage, c'est CCleaner. Donc là, on va retourner sur Google ou Quant ou ce que vous voulez, et on va chercher CCleaner. Donc c'est C, deux fois C, L-E-A-N-E-R, CCleaner. Voilà. Donc selon votre navigateur et selon ce que vous utilisez pour faire les recherches, ce ne sera pas forcément tout dans le même ordre. Idéalement, utilisez le lien qui va sur le site de CCleaner. C'est plus simple. CCleaner, il existe en version payante ou et c'est gratuit, mais on va pas s'embêter. Il y a le gratuit et il fonctionne suffisamment pour ce qu'on veut en faire. Téléchargement. Tac,
Voilà, j'enregistre. Voilà, il s'est enregistré. Une fois qu'il a fini, donc pareil, il fait 22 mégas, c'est pas grand chose, normalement ça devrait aller assez vite. On le lance. Est-ce que vous êtes sûr, machin? Oui. Il se lance, il est là. Si vous l'avez déjà installé chez vous, ben, juste attendez. Alors, moi, justement, on revient sur le fait, quand on installe quelque chose, on se pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à décocher? Donc déjà, de base, ben, c'est cleaner, ben, c'est bien, il peut se mettre en français. Ici, tac. Et là, moi, à chaque fois que j'installe un truc, je fais personnaliser. Au moins, je suis sûr, s'il y a des trucs à décocher, ils seront là-dedans. Personnaliser. Et là, je regarde ce qu'il va faire. Est-ce que je veux ajouter un raccourci sur le bureau? Le bureau, c'est le fond d'écran. Donc oui, on va mettre un raccourci, comme ça, je pourrais y accéder facilement. Dans le menu démarrer, donc c'est le menu qui est là, ben oui, comme ça, moi, je pourrais y accéder aussi facilement. Est-ce que je veux rajouter une option sur le menu contextuel de la corbeille? Alors, le menu contextuel de la corbeille, c'est le clic droit. C'est le menu qui apparaît quand je fais un clic droit sur la corbeille. Ça, personnellement, j'en ai pas besoin. Donc, j'ai décoché. Ça, j'ai décoché aussi. Activer l'analyse intelligente des cookies, j'en ai pas besoin. J'ai décoché aussi. Alors, les cookies, c'est pas les trucs qui se mangent, hein, pour ceux qui se posent la question. Marc, vous commencez à avoir l'habitude, hein, je pense, sur vos sites. Donc c'est des petites informations qui sont stockées sur votre ordinateur et qui donnent l'historique de navigation entre guillemets. Donc c'est pour ça que quand vous allez sur un site avec des pubs, ben bizarrement il va vous faire des pubs sur des trucs que vous avez recherchés sur Google il n'y a pas si longtemps. Et ben c'est grâce aux cookies en fait, grâce ou à cause de. On installe, donc on désactive ce qu'on n'a pas besoin et on installe. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi, on va refuser par principe. Certainement qu'il voulait installer quelque chose en plus. Donc voilà, vous voyez les réflexes, on refuse par principe. Sauf si le but c'est d'accepter les conditions d'utilisation du logiciel. Donc là, forcément, on est obligé de les accepter. Est-ce que je veux voir les notes de la version? Ça ne m'intéresse pas, je décoche. Vraiment, les réflexes, on décoche ce qu'on n'a pas besoin ou ce qu'on ne sait pas. Comme ça, ça évite les petits trucs de se lancer. Alors, là ici, j'ai lancé CCleaner. Si vous avez déjà CCleaner chez vous, ben, tant mieux, vous pouvez le lancer. Si vous demande de se mettre à jour, vous n'êtes pas obligé de le mettre à jour. Pour ce qu'on veut en faire pour l'instant, il n'y a pas besoin. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà regarder dans les options. Et c'est dans, alors, on se rappelle, il me semble que c'est, non, c'est pas celui-là, nettoyage intelligent. Nettoyage intelligent, parce qu'en fait, c'est CCleaner, pareil, il va se lancer au démarrage de l'ordinateur. Et on n'en a pas besoin. Ça va ralentir le démarrage du PC, on n'en a pas besoin. Donc, dans les paramètres, dans les options, nettoyage intelligent, et ben on va décocher la case. On va décocher les cases. Et vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Ouais. Donc là ici, le CCleaner il va fonctionner très bien, simplement il ne se lancerait pas au démarrage de l'ordinateur. On n'a pas besoin de ça. Donc là ici, on a nettoyage personnalisé. Et donc là ici, il va regarder dans les applis de tous les fichiers qui sont sur votre PC et qui ne servent à rien. Donc ce n'est pas des fichiers qui vont ralentir votre PC, simplement c'est des fichiers qui vont prendre de la place, tout simplement, pour rien. Donc, quand on veut faire de la place sur le PC, ben, c'est déjà un premier réflexe. Et en plus, il va aussi supprimer les cookies, ce qui est plutôt bien quand on veut faire un peu de ménage aussi sur notre vie privée. Alors, on va nettoyer. Tac. Tiens, on va faire annuler. On va faire analyser. Analyser, c'est juste qu'il va regarder qu'est-ce qu'il y a comme fichier dedans et est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il faut faire le ménage ou pas. Donc on va regarder un petit peu. Vous devez fermer Firefox afin de nettoyer le cache. Donc le cache, c'est les fichiers qui sont
installés qui se mettent dans la fiche, dans l'intertoire temporaire, pour que le site, vos sites, ils se chargent plus rapidement. Donc c'est plutôt bien d'avoir du cache, mais de temps en temps, c'est aussi bien de faire un peu le ménage aussi. Donc voilà. Donc du coup, on va fermer Firefox, oui. Vas-y, tu peux fermer, je te laisse faire. Comme ça, ah, bah, je ferme Chrome aussi. Bah oui, on va peut-être le fermer. Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Maintenant, c'est bon, je vais vous fermer. Ouais. Ok, c'est bon, il a fermé. Alors, donc moi j'ai fait le ménage il n'y a pas si longtemps, mais pour autant, on voit qu'il y a 350 mégas à supprimer. Enfin, que Cyclinor considère qu'il y a à supprimer. Donc il y a le cache et les cookies. Donc on voit que ce qui prend le plus de place ici, c'est effectivement le cache. Donc ça prend de la place. N'oubliez pas, on en a besoin quand même. Donc, de temps en temps, c'est bien de faire un peu le ménage, mais ça sert à rien de le faire tous les jours, quoi. N'oubliez pas, le cache, ça vous permet aussi que le site il est plus rapide à se charger. Mais admettons, là, pour l'exemple, on va quand même faire le ménage, on va nettoyer. Est-ce que vous êtes sûr? Eh oui, je suis sûr. On continue, on y va. Donc là, potentiellement, alors en moyenne, normalement, sur un PC à peu près en bonne santé, j'ai envie de dire, c'est 1 giga, 2 giga à nettoyer, enfin, qui va vous proposer de nettoyer. Si c'est beaucoup plus que 2 giga, c'est qu'il y a vraiment besoin de le faire. Voilà. Donc là, ici, c'est juste un petit nettoyage de PC qui ne va pas forcément aider à accélérer. Il y a un truc que moi je fais aussi, c'est dans registre. Il va chercher des erreurs dans la base de registre. Donc là ici, registre, chercher les erreurs. Alors la base de registre, c'est un peu... c'est ce qui... Donc où il y a toute la configuration de Windows qui est dans un gros tableau. Ouais, on va schématiser ça comme ça. Et s'il y a des erreurs, bah, potentiellement ça peut ralentir un peu le PC. C'est parce que du coup il va dire, ah tiens, pour ce fichier là il faut que j'aille chercher le logiciel là, ah merde, il n'existe plus. Du coup ça va potentiellement ralentir un peu le PC pour rien. Donc là ça peut arriver qu'il y ait des erreurs quand on installe le logiciel ou quand on désinstalle le logiciel, principalement quand on le désinstalle. Donc là ici, bah, c'est bien de chercher les erreurs et puis de les corriger. Moi c'est ce que je fais, ça paye. Ça mange pas de pain. Donc corriger les erreurs. Ça, j'espère que je vous ai pas perdu. Est-ce que vous voulez sauvegarder le registre avant de faire les changements? Bon, perso, je le fais pas. Bon. J'ai jamais eu de problème quand je fais la correction. Donc perso, je fais pas sauvegarde du registre avant d'apporter les changements. Donc je fais non. Et ici, corriger toutes les erreurs. Hop, ça y est, il a fini, il a corrigé. Et là, bah, il faut rechercher en fait les erreurs. Parce que potentiellement, il peut y avoir encore des erreurs en ayant corrigé les premières erreurs. Parce qu'en fait, le fait d'avoir corrigé les erreurs, ça peut avoir ajouté des erreurs. C'est pas bien. Enfin, c'est pas forcément très clair la façon dont je le dis. Grosso modo, moi, ce que je vous dis, c'est voilà, vous cherchez les erreurs, vous les corrigez, vous corrigez tout, et vous le faites plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez, comme moi, aucune erreur n'a été trouvée. Ok? Voilà. On a fini avec ces cleaners. N'hésitez pas à me dire si je vous ai perdu. 1,5 giga, ça va, ouais, effectivement. Et le cloud. Le cloud. Alors, moi, perso, j'utilise pas trop le cloud. Alors, le cloud, c'est pour... Bah, j'en déduis que c'était par rapport au sauvegarde. Excusez-moi, j'ai pas vu le message avant. Donc, il y a une personne qui me demande « Et le cloud pour les sauvegardes ?» Effectivement, si vous voulez pas mettre sur un disque dur externe ou une clé USB, vous pouvez mettre sur le cloud. Alors, le cloud, c'est quoi? C'est genre Google Drive, c'est genre OneDrive, il y a le cloud de Apple, ou enfin, je sais pas, il y en a plein, plus ou moins gratuit. Ça permet d'avoir de mettre vos fichiers sur Internet, sur un serveur qui n'est pas chez vous. Donc ça permet à la fois, ben, vous allez
sur votre téléphone, vous pouvez accéder au fichier. Vous allez sur un autre PC, vous allez accéder au fichier aussi. Donc ça vous permet d'accéder facilement à vos PC, à vos fichiers. Pourquoi pas? Simplement, il faut accepter que vos données sont quelque part sur Internet et que vous ne maîtrisez pas à 100% ce que vous en faites, enfin ce qui est fait avec vos fichiers. Voilà, c'est un choix. Moi personnellement, je n'utilise pas trop. Je suis à l'ancienne école où je préfère avoir mes fichiers à moi et voilà. Chacun son truc. Là-dessus, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais au moins, effectivement, le cloud, ça peut vous permettre effectivement d'éviter d'emboliser votre PC avec plein de fichiers. Et ça peut éviter aussi de perdre vos fichiers si votre PC y crame. Encore une fois, je le rappelle, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de fichiers que votre je suis même pas sûr l'avoir dit, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de fichiers dans votre PC qui va ramer. C'est pas lié, c'est pas parce que j'ai 36 gigas ou 200 gigas de photos ou de vidéos dans mes documents que mon PC il va ramer. À partir du moment où il y a de la place sur le disque dur, je reviens là-dessus sur les propriétés et que j'ai au moins 1 giga, 2 gigas sur le C de coin, donc la partition de Windows, si j'ai au moins 1 ou 2 gigas, c'est bon, c'est pas ça qui va ralentir mon PC, en tout cas pas significativement. Donc si vous jamais sur votre PC vous avez C2 points, D2 points, E2 points, etc., à partir du moment où le C2 points, lui, il y a de la place, bah, vous pouvez mettre dans le D2 points ou dans le E2 points, etc. C'est que votre disque dur a été séparé en plusieurs parties. Les autres parties, elles sont pas utiles pour que le Windows y tourne. Donc ça va, même si le D2 points il est plein, c'est pas ça qui va ralentir votre PC. Ok, j'espère que c'est assez clair ce que je vous ai dit. On a vu ces cleaners. Il reste encore quelques petits trucs à voir. Le navigateur. Dans le navigateur, il y a des petites choses qu'on peut améliorer pour que la navigation elle soit aussi un peu plus rapide. Le premier truc à voir. Hop là, pardon. J'ai téléchargé le logiciel pour optimiser mon PC, je ne le trouve pas. Alors, normalement, quand vous téléchargez quelque chose. Hop là, quand vous téléchargez quelque chose, il se trouve dans ici téléchargement. La plupart du temps, ça se met là-dedans. Alors, ça peut être soit dans téléchargement, donc vous pouvez y accéder ici dans ici dans mes documents, téléchargement. Voilà, il y a un répertoire téléchargement, ou alors sur le bureau, tout simplement. Si jamais vous ne le trouvez pas, bah c'est pas grave, hein, vous le retéléchargez. Et ici en haut, là, il y aura le petit truc quand on a téléchargé un truc. Vous cliquez dessus et vous pourrez le retrouver par ce biais-là. J'espère que Joël, tu as retrouvé ton logiciel. Si jamais tu ne le trouves pas, renvoie un message et on en reparlera après. Je reviens sur le Firefox ou Google Chrome, la façon dont l'optimiser. Ici, que ce soit sur Firefox ou que ce soit sur Chrome, vous avez ici donc soit trois petites barres, soit trois petits points ici pour accéder aux paramètres. Et donc là ici, sur les deux, vous avez paramètres. Voilà. Je vais le faire à la fois sur Firefox et sur Chrome pour que vous retrouviez tous. Oui, donc là il y a le petit menu. Alors c'est paramètres ou options. Allez, options. Ok. Ah super. Alors attendez, j'ai pas compris. Il y a une question. Justement sur les deux points, ça m'est arrivé que ces deux points soient pleins et que rien se met sur les deux points. J'ai pas compris pourquoi. Comment on fait? Je réponds après. On va continuer sur le navigateur.
Donc sur les options ou sur les paramètres de votre navigateur, vous allez dans extensions. Donc là c'était sur Firefox, sur Chrome, ici vous avez extensions aussi, c'est le même terme. Et là potentiellement, ben, vous allez en avoir plus ou moins. Donc là ici, ce qui sont activés, là sur le mien, il n'y a que Quant. Quant c'est un équivalent de Google, mais qui respecte a priori plus la vie privée. Voilà. Et là ici j'en ai pas plus. Sur Google, j'ai ben, les trucs de Google. Donc là pour a priori, pas trop de problème avec ça. Si vous en avez plus, vous avez des trucs Skype machin, Avast machin, ben, franchement, sauf si vraiment vous utilisez les fonctionnalités là, mais si vous posez la question, c'est que vous ne l'utilisez pas, donc vous pouvez désactiver. Donc sur Chrome, ben voilà, vous avez supprimé. Sur Firefox, donc soit vous avez directement le bouton supprimer, soit les trois petits points supprimés. Donc là, c'est déjà faire un petit ménage dans les extensions, c'est plutôt pas mal. Voilà. Par contre, je vais vous montrer une extension qui est bien d'avoir. Adblock. Adblock. Vous tapez Adblock sur Google, sur Quant, sur votre navigateur, sur votre outil de recherche. Adblock. Donc selon l'ordre que ça apparaît, selon votre navigateur, selon votre moteur de recherche, ça ne sera pas forcément dans le même ordre. Moi, je clique toujours sur le lien qui correspond à mon navigateur. Là, par exemple, je suis sur Firefox. Voilà, il y a le lien Add-on Firefox. Je vais cliquer dessus. Pour Google, Chrome, hop, je vais faire ma recherche ici à des blocs. Adblock pour Chrome, et ben voilà, j'ai mon outil de recherche chrome.google Adblock. Je clique dessus. Et là, ici, donc sur Chrome, ben là voilà, Adblock, ajouter à Chrome. Sur Firefox, Adblock, bon, ouais, ça va être plus, ajouter à Firefox, et ben on va l'ajouter. Alors, Adblock, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet d'enlever des pubs. Et c'est plutôt bien, ça sert vraiment, c'est plutôt pratique. Donc autoriser cette extension à s'exécuter sur les navigations privées, ben oui, j'ai compris. Tac, hop, ça y est, il est actif. Sur Chrome, je le rajoute. Ajouter, ajouter extension, oui. On voit ici sur Chrome, ajout en cours. Hop là, ça y est, c'est lancé. Donc là ici, il affiche peut-être une page pour dire qu'il est installé, etc. Vous pouvez fermer. Et donc là ici, le Adblock, là on voit le petit bouton, un petit bouton rouge qui s'est ajouté en haut à droite. Sur Firefox aussi. Tac, Adblock. Alors, ça c'est franchement pratique, ça vous permet d'enlever les pubs. Je vais donner un petit exemple. Je vais aller sur le bon coin. Alors, je suis sur le bon coin. On va aller sur la... voilà. Alors, je suis sur le bon coin. Déjà, le bon coin de base, c'est assez chargé. Donc, il y a les annonces du bon coin. Donc là, je ne peux pas trop les enlever. Mais il peut y avoir des pubs qui s'ajoutent. Et là, bizarrement, bah, voilà, on voit des endroits, des blancs. Voilà. Et bien, c'était des pubs qu'il a enlevés. Ici, là, une pub qui est enlevée. Donc, si jamais, justement, on veut voir la différence, ici, il y a des blocs, là, je vais cliquer dessus sur le petit bouton rouge en haut. Et je peux le désactiver. Parce qu'il y a certains sites, si vous allez sur des sites de streaming ou d'autres choses, ils peuvent vous dire, non, Adblock, nous on n'aime pas, il faut le désactiver si vous pouvez sur le site. Après, pourquoi pas, hein.
Donc vous cliquez sur le petit bouton rouge et vous le désactivez. Pas besoin de le désinstaller, juste le désactiver. Et là, on va actualiser la page. N'hésitez pas à me dire hein, si je vous ai perdu. Donc là, ici, je suis revenu sur la page avec le débloc désactivé. Et là, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des petits trucs en plus. Alors, je vais vous montrer l'exemple. Alors, ah bah déjà ici, Flor Bay, ça c'est une pub en plus. Alors, c'est marrant parce que. Ah voilà, tac, une pub, offre exclusive. Ça c'est pas une annonce du Bourcoin, ça, c'est une pub. Voilà. Donc ça c'est des petits trucs qui se rajoutent. Et qui n'ont pas lieu d'être. Ça c'est des trucs de mon coin. Et ça c'est pas une truc de bon coin, ça. Voilà. Donc à des blogs, c'est plutôt bien. Sur YouTube aussi, si jamais quand vous allez sur des vidéos YouTube et puis il y a la petite annonce, la petite vidéo en plus qui dure 5 secondes et puis après vous pouvez ignorer l'annonce, et ben bizarrement moi avec des blocs je l'ai quasiment jamais, pour moi je ne l'ai jamais cette pub intempestive. Donc à des blocs c'est plutôt bien et ça vous permet donc justement d'avoir une navigation un peu plus fluide, un peu plus tranquille. Et d'ailleurs, donc si on reprend ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, on va dans les paramètres, on va dans les options ou paramètres, hein, si vous êtes sur Chrome ou Firefox, vous allez sur extension. Et donc vous allez voir, Adblock il est là, bloqueur de publicité. Ok. Donc là, celui-là, pour le coup, vous me le laissez. C'est même plutôt, je vous le conseille. Autre chose pour votre navigateur, parce que des fois aussi il y a des petits logiciels de pub là, qui se mettent sur votre qui se mettent en plus sur votre à la place de Google quoi, ou à la place de Courante si vous préférez. Donc là ici dans les options à chaque fois vous allez avoir recherche. Si je prends sur Chrome, hop. Moteur de recherche. Voilà. Donc là, pour moi, par défaut, c'est Google. Après, je peux choisir d'autres. Hein. Donc, potentiellement, si vous avez un autre moteur de recherche qui vous plaît pas, ben, vous pouvez le changer. Et comme ça, vous serez tranquille pour. Donc, n'hésitez pas à modifier. D'accord. Tac, recherche. Et ici, moteur de recherche par défaut. Google, quoi, etc. Ok, alors je vous ai montré le navigateur. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va fermer ça. J'ai encore d'autres choses à vous montrer pour ceux qui en ont encore envie. Petite astuce sur les mises à jour de Windows. Petite bête noire. Windows 10, maintenant, il se met à jour tout seul et très souvent. Des fois c'est pas forcément super bien, ça vous fait ramer votre PC le temps qu'il télécharge la mise à jour, le temps qu'il installe la mise à jour, il allume votre PC, il configure la mise à jour et donc vous pouvez pas l'utiliser tout de suite, ça peut être très pénible. Je vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de maîtriser un peu plus quand est-ce qu'il installe ses mises à jour. Elles sont pas totalement inutiles. Mais ça peut être bien aussi de maîtriser quand est-ce qu'il les installe. Donc ça marche, cette astuce-là, elle marche uniquement si vous êtes en Wi-Fi. Si vous êtes en Wi-Fi, donc vous avez votre icône Wi-Fi tout en bas là. Hop, vous cliquez sur votre Wi-Fi, donc il est connecté sur votre réseau Wi-Fi, c'est très bien. Donc moi il s'appelle Python Wi-Fi. Vous allez sur les propriétés de votre connexion Wi-Fi. Ça va, je vous ai pas perdu. Je cliquais ici sur la petite icône Wi-Fi. Et sur là où vous êtes connecté, vous faites propriété. Et ici, vous avez une option connexion limitée. Et en fait, vous pouvez activer cette connexion limitée. La connexion limitée, ça veut dire quoi? En gros, on va lui faire croire qu'on utilise le Wi-Fi de notre téléphone, de notre smartphone, et donc on utilise notre forfait 4G pour aller sur Internet. Donc même si c'est pas vrai,
on lui fait croire ça. Comme ça, on lui fait dire, ah, attention, faut pas trop télécharger les trucs que je veux pas, j'ai pas envie de bousiller mon forfait. Et donc, on active ça. Et donc, grâce à ça, bah, il va pas télécharger de mise à jour pendant qu'on est en connexion Wi-Fi sur la connexion limitée. Et donc, au moins, bah, pendant qu'il est comme ça, bah, il va pas télécharger de mise à jour. Et vous serez un peu plus tranquille. Je dis, voilà, de temps en temps, peut-être ça peut être bien, voilà, vous savez que vous n'avez pas besoin de votre PC tout de suite, ben voilà, vous décochez la case connexion limitée, comme ça il va se faire plaisir, il va télécharger mise à jour, il va redémarrer, il va faire plein de choses, et puis après, une fois qu'il a fini, ben, vous recochez la case, et puis comme ça, il ne télécharge pas de mise à jour quand vous n'avez pas envie. Parce que Windows 10, il aime bien faire ce qu'il veut. Et ben c'est un moyen de lui dire, ben non, c'est moi le patron. qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc les points de vigilance à avoir quand vous installez quelque chose, on fait toujours attention à décocher les cases, on fait toujours personnaliser, on fait comme si on était au mode expert de son truc. Vous y connaissez rien, mais c'est pas grave, vous faites le mode expert et vous décochez les cases que pour vous ça ne sert à rien. Au pire, si vous avez décoché la case qui fait que ben, vous avez besoin du logiciel, ben, c'est pas grave. Vous refaites l'install ou vous faites retour et vous cochez la case en question, mais dans le doute, décochez les cases. Attention aux mails. Si vous recevez un mail qui vous dit hey, attention, la poste, votre banque vous demande de mettre à jour vos coordonnées, cliquez ici. Pour mettre à jour, et ça va vous ramener sur un site qui ressemble à votre banque ou à la poste ou à votre truc mail ou peu importe, ou à un truc des impôts, hein, ça peut être aussi ça. Et ben, faites attention, regardez bien l'adresse du lien parce que ça peut être un faux site. Ça c'est possible. Donc ça s'appelle du phishing, ça. Ça permet de. C'est un moyen de truander un peu les gens et leur faire mettre leur compte bancaire, leur mot de passe, des choses comme ça. Donc, dans le doute, vous recevez un mail de votre banque, vous n'êtes pas sûr à 100% que ça vient de la banque, même s'il y a le logo dessus, ben, vous vous connectez vous-même sur votre site de la banque sans cliquer sur le lien, vous allez vous-même sur le site de la banque, et puis vous allez voir si votre banque elle vous demande quelque chose. Mais si vous ne cliquez pas dans le doute, ne cliquez pas sur les liens qui sont dans les mails. Des fois sur un site, il y a des pubs, hein, il peut y avoir des pubs qui passent quand même, même avec des blocs. Et puis bah, ça vous dit hey, attention, il y a un virus sur votre PC. Alors je vais vous le dire, les virus ils s'annoncent pas. Ils s'annoncent pas les virus. Donc ils vont pas dire je suis là, il y en a 36 000, il y en a 800, ils vont pas vous le dire. Donc souvent c'est des pubs qui font croire qu'il y a une fenêtre qui s'est affichée. Vous fermez votre navigateur et vous allez voir par miracle que, ben, ah tiens, bizarrement, le message, il a disparu aussi. Donc, ne croyez pas ce qui est affiché sur les sites qui vont vous dire que vous avez 36 000 virus. Encore moins quand on vous donne un numéro de téléphone à appeler. Ça, c'est un truc qui arrive régulièrement aussi. Un petit message qui dit, attention, vous avez un virus, vous avez des virus, votre PC est bloqué, vous êtes obligé d'appeler tel numéro pour débloquer. Ben, ne le faites pas parce que ça va vous... C'est le meilleur moyen de se faire extorquer de l'argent. Donc si vous n'arrivez pas à fermer la fenêtre, vous n'y arrivez pas, bah, c'est pas grave, éteignez votre PC. Alors pour les PC portables, vous appuyez longtemps sur le 10 secondes sur le PC d'alimentation. Si vous restez appuyé pendant 10 secondes, il va s'éteindre complètement. Il ne va pas se mettre en veille. Et quand vous avez démarré, bah, vous allez retrouver votre navigateur et vous allez voir que ça va revenir normalement. Dans le doute, voilà. Pas de conclusion hâtive, n'oubliez pas, les virus ne s'annoncent pas. Voilà, on a parlé de la sauvegarde, donc bien penser à sauvegarder, parce que n'oubliez pas, votre disque dur, il peut lâcher. Donc les photos d'il y a 6 ans, du mariage de un tel, si vous les avez, il faut vraiment les avoir au moins sur deux supports différents. Parce que même si le disque dur externe, hein, si elles sont que sur le disque dur externe, bah, le disque dur externe, il peut cramer aussi, quoi. Une clé USB, ça peut cramer. Voilà. Tac, 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 j'espère que voilà.
Eh bien voilà, je pense que j'ai fini sur les conseils en général sur la partie informatique. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous avez des questions, je peux encore y répondre. Sinon, je peux au moins vous dire que, voilà, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, je fais partie de l'association Les Moments Solidaires. On organise, une fois que le confinement sera fini, on organise les premiers mercredis du mois et le troisième mercredi du mois, Ripper Café à l'espace loisir à Billy-Berclos. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, merci à la ville de Billy-Berclos. L'équipe municipale qui encourage tout le monde, les associations, à faire du direct, à être actifs sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il y a encore de la vie, même si on est confiné. Et donc, les moments solidaires, on organise régulièrement des repères café. Excusez-moi. On me demande, on me dit que je parle pas de Linux, effectivement. Hein, je pense que la plupart des gens qui sont embêtés avec un PC qui rame n'ont pas Linux ni macOS. La plupart du temps, ils sont sur Windows. Et puis en plus, je préfère parler de ce que je connais. voilà. Et donc, n'oubliez pas, donc, nous on fait des repair café. Donc après le confinement, on va refaire, que ce soit pour réparer votre PC, que ce soit pour réparer votre cafetière, votre micro-ondes, votre télé, votre radiateur, les petites choses qui sont cassées, on peut le faire. En tout cas, on peut au moins essayer. On va le faire ensemble dans la bonne humeur. En attendant, vous pouvez passer par le site en nous envoyant des messages. On a sur notre page des moments solidaires, on a trois groupes où on partage des recettes. On a un groupe de réparation, d'aide à la réparation. Donc, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à passer par Facebook pour faire les demandes. Et si vous avez envie de bricoler avec nous, si vous avez envie de faire un peu de bénévolat, eh ben, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. On est toujours preneur de ce genre de choses. Bien, je pense que j'en ai fini. Donc là, je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, si vous avez d'autres questions. Alors attendez, ah, je viens de voir les messages. Merci pour les infos. Tac, tac, tac. Hop là, la femme, non, Chuck Norris. Désolé pour les femmes, je peux pas faire grand-chose. Hein. C'est pas mon domaine d'expertise non plus. voilà. Bon, et eh bien écoutez, je vous dis au revoir. Je vous dis merci pour votre écoute. N'hésitez pas, bonne soirée, bon confinement et bonnes vacances. Et puis, n'hésitez pas, la page Facebook si vous avez encore des questions. Bisous, bisous.